Un peu plus loin, madame. Comment? Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez un peu. Pour la troisième. Madame, monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre et que le ciel envieux de mon bien m'eût accordé l'avantage de me voir digne des... Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments, elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois, c'est ridicule comme vous voyez dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Hein. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est beaucoup d'honneur, monsieur, que vous me faites. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce. Prenez bien garde, moi, ne lui pourrais parler du diamant que vous lui avez donné. Pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Comment? Gardez-vous-en bien, cela serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. J'ai une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Changeons à manger. Tout est prêt, monsieur. Allons-nous nous mettre à table. Et qu'on fasse venir les musiciens. Madame, de parler de la sorte, et il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que ce repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant et vous y trouverez des incongruités de bonne chair et des barbarismes de bon goût. Si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition, et il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux, de vous parler d'un pain de rive à biseaux dorés, relevé de croûtes partout et croquant tendrement sous la dent, d'un vin à sève veloutée, armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de mouton gourmandé de persil, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous les dents est une vraie pâte d'amande. De perdrix, relevé d'un fumet surprenant. Et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs mariés avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance. Et comme M. Jourdain a fort bien dit, je voudrais que ce repas fût plus digne de vous être fait. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Oh! Oh! Que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain. Mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Allons, qu'on donne du vin à Monsieur Jourdain et à ces messieurs qui nous feront la grâce de nous chanter un air à boire. C'est merveilleusement assaisonner la bonne chair que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. Non, madame, ce n'est pas... Monsieur Jourdain, c'est... prêtons silence à ces messieurs. Ce qu'ils nous diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire. On peut être affilé pour commencer le tour. À la main, à l'agréable charme.
chose de plus beau. Oui, Monsieur Jourdain est galant, plus que je ne pensais. Mais comment, madame, pour qui prenez-vous Monsieur Jourdain? Très bien qu'elle me prie pour ce que je dirais. Encore? Oh, vous ne le connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Oh, je le quitte. C'est un homme qui a toujours la riposte en main. Mais, madame, vous ne voyez pas que Monsieur Jourdain mange tous les morceaux que vous touchez? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Oh, madame, si je pouvais ravir votre cœur, je serais... Oh, je trouve ici bonne compagnie. Et je vois bien qu'on n'y attendait pas. Hein, monsieur mon mari? C'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence. Que vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain? Et quelle fantaisie sont les vôtres de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie. Qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison et que vous devriez regarder un peu mieux aux choses que vous dites. Oui. Impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela, et je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Oh, je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous pour un grand seigneur de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous de mettre la distension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorande, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagance. Non, mais madame, madame, où là-haut courez-vous? Madame, monsieur le comte, monsieur le comte, faites-lui excuse. Tâchez de la ramener. Et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Je ne sais qui me tient maudit que je vous condamnais. Avec une pièce qui embarque, vous êtes venu troubler. Je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends. Que j'aurai pour moi toutes les femmes. Allez, faites bien d'éviter ma colère. Arrivé là bien malheureusement, elle était en humeur de dire de jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit.